On va mettre les vis dans ces trous. Combien il nous en faut sur cette face-là, Mélissa? Non. Il y en a rien. Il va trouver 6. Ok, 6. Et il va voir sur l'autre face aussi. Si c'est 6, on a fait le double. 12. Ok, ça marche. Je te laisse en prendre 12 et tu les mettras sur le fond ici. Ah. Baptiste, tu défais cette partie-là, tu la mets à plat. À plat. Tu prends les petites ou les grandes, monsieur? On cherche un tournevis. J'ai pas demandé un tournevis. Hein. On va se servir de la visseuse. Il faut trouver un embout qui permette de visser les vis que vous avez vues. Alors, choisis le bon. Avec la colle à bois, je vais venir la mettre là. Et parler de l'autre côté. Et on sert aussi des vis pour après. Et les vis, tu vas en faire quoi? Bah, je vais les visser juste ici. Il y a des trous. Comme ça, là. Ça s'appelle mettre un cordon. Mettre un cordon. De colle. Ouais. Bah, vas-y, tu peux. Enfin, le premier cordon. Mathis, tu en feras un après. Et Kélan, tu en feras un autre. Il faut bien que ça touche. Voilà, quoi. En zigzag, voilà, pas plus, c'est très bien. Et en zigzag, vas-y. Et après, vous allez faire quoi après quand vous aurez mis la colle? Après, c'est bon, monsieur, comme ça? On met les vis. On va les préparer, tu veux. D'accord. On fait un cordon de colle. C'est bon. On se concentre. La prochaine étape, avant de mettre les vis, on va installer les serre-joints. Les serre-joints. J'ai pas dit ça, Kélan, j'ai dit le mot serre-joint. C'est quoi? Un serre-joint, ça sert à serrer. C'est plus compliqué. Bah là, je vais faire mettre la planche pour coller. Pour coller, exactement. Voilà. Bon. Ça, là, elle est pas rentrée. Tu recules un peu. Voilà, c'est bon, là? Vas-y, bon, on va les boîter. Kélan, c'est emboîté, là? Non. Serre-toi de ta main, serre-toi de ta main. Fais quelque chose avec ta main. Vas-y. Allez. Elle m'a approché la deuxième et tu prépareras ta main de l'autre côté. Celle-là, tu l'enlèves pas. D'accord. Une en haut, une sur le côté. Elle est pas en haut, la tienne, regarde. Il y a un problème, tu vois? Problème. Elle est en place? C'est bon. Bouge pas, Kélan. Attrape le deuxième, Mélissa. Non. Attrape le deuxième, tu vas en face de moi. Ouais. Je le tiens, je peux serrer, Kélan. Merci. Normal. Va donner un coup de main avec ça, tu lui tiens pendant qu'elle serre. Vas-y. Vous regardez, est-ce qu'il est bien mis là? Pas sur les trous, genre. En dessous. Non, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Kélan, tu vas en attraper un autre? Allez, allez, au boulot! Ça? Allez, ouais. En haut là. Tout. Non, mais on t'a pas demandé le jeu. Dégage. Ici. On fait ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, Kélan? On met les... comment ça s'appelle, Jacques? La moitié là-haut, vous mettez. Ouais, c'est un serre-joint. Un serre-joint. Là-haut, un serre-joint. Là, ici. Un serre-joint. Bien, ça reste. Ça ne colle pas décollé. Oui, pour pas que ça se décolle. Très bien. Avant de visser avec la visseuse, vous allez prendre les vis, vous allez les installer. Vu que c'est pré-trouvé, vous pouvez les mettre dedans et commencer à tourner avec votre main. Bah, j'installe les vis dans le trou, dans le coin. Très bien. Pour pouvoir après visser avec le tournevis. Tiens, alors vas-y, occupe-toi de celle-là. Vas-y. Je vais essayer. Pourquoi? Il y a le serre-joint, donc c'est pas facile de commencer par celle-là. Je vais commencer par celles qui sont le plus accessibles. Voilà, et tu pousses en même temps. Super. Vas-y, pousse contre la planche. Pousse. Allez. Est-ce qu'elle a la même forme que les autres? Ah non. Faut changer l'embout. Donc ça veut dire que l'embout, il ne peut pas marcher pour celle-là. Tu vas voir, ça va finir par le serrer. Vas-y, encore. Allez, verrouille-le. Je veux être sûr que l'outil ne s'en va pas. Ouais, c'est bon, là, t'as bien forcé. T'enlèves ta clé et là, on est bon. Ah ben, heureusement que Mélissa, elle est là, hein. Elle installe, elle range. Ça va? Oui. Pleine forme. Ah ben, vous pouvez pas te fatiguer, hein, c'est sûr.